Rooney goal was enough for the 3 points. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Wesh l'équipe, c'est comment? Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On est le 19 novembre. On va aller chercher la PlayStation 5. Je vais vous partager ça avec moi. On se retrouve dans un instant. Vamos! On l'a fait, les mecs. Elle est là. Elle est là. Et oui, la PlayStation 5. On a récupéré. Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une vidéo unboxing. On est le 19 novembre et voilà, j'ai reçu la bête, la PlayStation 5. On va voir ce que ça donne à l'intérieur. Donc voilà, c'est parti. Donc on va commencer. On va enlever tout ce qu'il y a au niveau du scotch. Hein. Ouais. Je fais plus attention à pas niquer la boîte, 500 balles. C'est pareil. Hop. Hop là, on va poser ça à côté. Voilà. Et là, vous êtes prêts? Ok. Donc il dit de l'accoucher. Ce que je vais faire. Là, on a le notice, ça on s'emballait, on verra plus tard. On ne saurait pas les lire. Là, ça doit être le cadre d'alimentation. Oh, oh, oh les mecs, oh les mecs, je ne sais pas si vous voyez bien. Regardez. La manette. Ah ouais. Stylé, attendez, je vais voir si vous la voyez bien. Voilà. Elle est propre. Il faudra tester ça en match et tout là sur FIFA et d'autres, mais elle est bien cool. Hein. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a? C'est quoi ça? C'est l'HDMI. Ils ont changé le truc parce que je crois que c'est du HDMI 2.1. Je sais pas trop comment ça, mais je crois que c'est ça. C'est quoi ça? Un miroir? C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? Ah, ça doit être le socle pour la Play, je pense. C'est le seul truc que je vois. De logique. Alors, voilà. On a plus rien, là. Ah, si on a un câble. Câble pour brancher la manette, la recharger. Et maintenant, il ne reste plus qu'une chose. Hop là. Ah ouais. On appuie là. Et là. Et là. Hop. Vous êtes prêts? La machine. On les deux bouts. Ah ouais. Bien faire attention à pas la niquer. Ce serait bête de la niquer alors que je viens de l'acheter. Regardez. Et là, voilà. Oh, putain, les. Putain, je peux vous montrer. La Play 4 à côté qui est là. Oula. La Play 4 qui est là. Et là, regardez la différence. Alors là on a une Play 4 et là on a une Play 5. Quand même ça fait... Putain, regardez. Franchement c'est... La moitié de la hauteur de la télé, même plus, même plus. Putain, voilà la façade blanc avec le petit logo de PlayStation transparent. Du coup on voit à travers. Là vous avez tous les branchements, alimentation, HDMI, ça c'est Internet. Et ça c'est les câbles USB. Ça, je sais pas c'est quoi. Et là, vous avez des connecteurs pour brancher les manettes et tout. Ça, il y a deux boutons. Il y a Power et il y a CCD. Ok. Ouais, parce que j'ai acheté la version digitale, bien sûr. La digitale. Classique, je crois. C'est classique, ouais. Regardez. On voit là les petits. Ça s'évase. Comme ça. Avec les petites bouches d'aération.
Oh, ça fait stylé, hein. Ça fait pas trop carton, je pense, mais à part le lecteur de disque, je trouve qu'il est pas. Je sais pas, ça fait trop. Ouais, bof. Sinon, le reste. Franchement, elle est stylée, stylée. Regardez bien. Je vous la montre de là. Ça donne ça. Franchement, pas mal. Après, il va falloir voir ça. En vidéo, plutôt la tester, je veux dire, et puis voilà, on va avoir des petites vidéos FIFA dessus. Je vous fais ça très prochainement, les mecs. Donc, soyez à l'affût. On arrive en fin de vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, c'est ma récompense. N'hésitez pas à mettre en barre des commentaires si vous avez décidé de la prendre. Je vous dis à la prochaine, les gars. Force à vous, ciao.